vous remercier d'être tous présents. C'est ce que vous avez vu quand il était en mode carpe. Hein. Voilà, donc il vous remercie de votre présence. Donc il a réussi à se connecter, mais malheureusement, il y avait l'image et il n'y avait pas le son. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc je vous remercie d'être présents aussi nombreux, j'ai envie de dire, pour un jour férié à ce rendez-vous du jeudi, que je vais avoir le plaisir d'animer. Donc voilà, et donc nous allons parler de la manière de se libérer de nos croyances avec l'EFT. Voilà, et vous avez ma co-animatrice en la présence d'Anoa qui est à côté de moi. J'espère qu'elle va pas trop commenter cette réunion. Vous m'entendez bien? Là, tout est OK pour le coup? Merci, Hamid. Ça me fait très plaisir, Hamid. Tu vas me faire rougir, Hamid. Super. Alors, on va commencer. Alors, on va déjà, pour pouvoir, on va dire, se libérer de quelque chose, je pense qu'il faut savoir comment ça fonctionne avant. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lutter contre quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas, c'est pas forcément évident. Généralement, on a une chance sur 10 000 de tomber sur le bon truc. Donc, on va parler des croyances et on va parler aussi de la façon dont nous sommes constitués. Et vous allez être, notre mental est constitué. Et je pense que vous allez être assez surpris de la manière dont je vais aborder les choses. Alors, la définition du mot croyance. Alors, la croyance, c'est d'abord un processus mental qui est expérimenté par une personne qui adhère de façon incontestable à une thèse ou à des hypothèses, et ce de façon qu'elle les considère comme une vérité absolue, comme quelque chose d'irréfutable, et ce, indépendamment des preuves qui en attestent ou en contestent la crédibilité. Ça veut dire qu'on considère comme acquis quelque chose qu'on nous a appris, soit par le biais de nos parents, du corps enseignant, de notre famille, etc. On est sûr, parce qu'on nous l'a dit, ou parce qu'on l'a vérifié peut-être une fois, eh bien on n'en démord pas, et même si on nous montre la preuve par 10 000 que c'est faux, eh bien malgré tout, on reste ancré là-dessus. Donc, à chaque croyance va être associée une émotion. Parce que bien sûr, il y a des croyances qui sont positives et il y en a d'autres qui sont moins positives, on va même dire franchement négatives, voire limitantes complètement. Lorsque la croyance va être contrariée, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un va être là et va vous dire que c'est faux, que vous avez tort, etc., vous allez ressentir un tiraillement et elle va devenir limitante et va donc engendrer des émotions négatives. Parce que cette croyance, vous allez avoir une part de vous qui va dire « Oui, moi, c'est vrai ce qu'elle dit, après tout, c'est peut-être vrai. » Puis de l'autre côté, vous allez avoir votre croyance qui va vous tenir en arrière, qui va dire « Non, mais t'as vérifié l'autre jour, ou ta tante, ou ta mère t'a dit que c'était pas vrai, donc reste dans cette ancienne position. » Et vous, vous êtes au milieu, vous allez vraiment vous sentir très très mal. Alors, ces croyances, elles s'élaborent à partir d'expériences vécues au cours de sa vie, mais aussi celle de l'enfance étant particulièrement marquante. C'est normal puisqu'on est en pleine période de formation, de création. Alors, en général, c'est en réponse à un événement ou à un contexte particulier, une croyance ou un ensemble de croyances peut être activée ou bien, à l'inverse, rester en sommeil. Une fois activées, les croyances constituent la base à partir de laquelle la personne interprète et réagit à la réalité. Donc ça veut vraiment dire que la croyance, c'est comme si vous aviez une paire de lunettes, hein, rose, bleu, jaune, turquoise, et c'est au travers de ces lunettes qui filtrent la réalité que vous allez percevoir la réalité. Ces croyances sont vraiment un filtre qu'il y a entre vous et la réalité. Les croyances sont tellement puissantes qu'elles créent littéralement votre réalité. C'est en ce sens-là qu'elles créent votre réalité. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que ma réalité, par exemple, ne va pas correspondre à la vôtre. Tout simplement parce que je n'ai pas les mêmes croyances que vous, je n'ai pas le même vécu, je n'ai pas la même expérience que vous. Donc, nos perceptions traduisent nos expériences. Lorsque vous prenez conscience de ce à quoi vous croyez, bonsoir, à des niveaux les plus élémentaires et primaires, c'est-à-dire vraiment la base de la base, ce qui a fait que vous êtes vous, que vous existez maintenant, vous pouvez comprendre avec beaucoup plus de clarté pourquoi votre expérience de la vie est comme ça. Voilà. C'est vraiment, j'ai envie de dire que la personnalité, c'est un ensemble de croyances qui se sont accumulées. Il y en a qui sont partis avec le temps, d'autres qui sont venus se rajouter. Et c'est ça qui va créer ce que vous êtes et ce que vous percevez de votre monde et de votre réalité.
Les croyances ne sont donc rien de plus que des accords que vous avez pris concernant la réalité, et bien évidemment, et c'est ça la bonne nouvelle, elles peuvent être modifiées, et c'est ce qu'on verra à la fin avec les protocoles EFT. Ce sont donc des pensées que vous entretenez dans votre imagination et qui sont perçues comme vraies, inconsciemment ou consciemment. Voilà. Ah, j'ai marqué inconsciemment et inconsciemment, comme ça vous avez le choix. Si vous choisissez de créer une manière de vivre aimante et expansive, vos croyances doivent correspondre à ces fréquences. Si vous avez envie de vivre une vie agréable et que vous avez une petite phrase dans votre tête qui vous dit que la vie c'est fait pour être dur, c'est fait pour en baver, c'est fait pour... je ne citerai pas certaines citations qui disent que la vie c'est un gros paquet de et qu'il faut en manger tous les jours, bah, forcément vous allez avoir du mal à avoir une vie aimante et expansive et dans le bonheur et dans le plaisir. C'est le type de croyance qui vous tient en arrière, qui vous plombe littéralement. Alors, pour cela, il est vital que vous ayez un regard honnête sur vos convictions les plus intimes, sur la vie et sur vous-même. C'est hyper important, afin de déterminer si celles-ci correspondent vraiment à vos rêves et vos aspirations les plus élevées. C'est une introspection que vous devez avoir, mais sans être dans le jugement, vraiment pas. Il faut que ça se fasse en douceur. Vous avez une croyance, elle est là, à un moment donné, elle s'est peut-être avérée vraie, pour quelqu'un, si ce n'est pour vous. Donc, à partir de là, bon, vous l'acceptez, vous l'accueillez, mais ensuite, vous allez voir comment on fait pour faire en sorte qu'elle ne nous embête plus, cette croyance-là qui n'est pas bonne. Alors, vos croyances sont-elles limitantes ou dynamisantes? Bonne question. Eh bien, essentiellement, toutes les croyances sont de nature, donc soit constructives, soit destructives. Donc elles sont soit fondées dans l'amour, soit dans la peur. Laissez les croyances d'amour et d'unification se développer et vous allez créer une vie donc, qui va être faite de plus de paix et d'une perception plus élevée de la vie, ce qui est normal. Par contre, si c'est fondé sur la peur, hein, les croyances, elles séparent et elles divisent parce qu'elles cherchent à tout définir, à tout étiqueter. Ça c'est bien, ça c'est mal, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Et ça, c'est simplement dans le but de se sentir protégé et sécurisé. Sauf que ce n'est pas forcément la solution, parce que si vous restez enfermé dans ce type d'étiquette ou de carcan, eh bien vous ne pourrez pas évoluer. Les choses évolueront, mais sans vous. Bien que fondées sur la peur, ceci dit, ces croyances ont tout de même joué un rôle assez important pour assurer notre survie. Il ne faut quand même pas... Je veux dire, quand nos ancêtres voyaient un dinosaure, heureusement qu'ils savaient qu'ils avaient la croyance que ce dinosaure pouvait les écraser comme une crêpe. Sinon, on ne serait plus là pour en parler. Donc, il y a quand même des choses qui sont des peurs et qui sont fondées. Mais il faut pas que ça dépasse un certain stade, on va dire. Lorsque la majorité de vos croyances individuelles et collectives sont enracinées dans la peur, ben le monde prend une tournure cauchemardesque, c'est évident, dans laquelle la crise, la concurrence, le manque, le meurtre, la famine, les inégalités, etc., etc., ça devient la norme. Vous n'allez plus voir que ça, ne serait-ce que pour valider votre croyance. Et là, c'est un peu dans le phénomène de la loi d'attraction, c'est pas que vous allez attirer à vous les éléments, mais c'est que comme vous êtes branché sur cette fréquence-là, vous allez voir que ça. C'est ce qui va attirer votre esprit puisque vous êtes connecté sur tout ce qui est douleur, peur, violence et famine, etc. Alors, votre ego, eh bien, il se nourrit de la peur et il fait de son mieux pour l'entretenir. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. D'autant qu'il est facile de la promouvoir à travers la culture et les affaires partout dans le monde. Pourquoi il fait ça? Bah, tout simplement pour s'il vous maintient dans un climat de peur, il peut jouer son rôle de protection. Vous savez que l'ego, il aime bien être là quand même. Hein. Donc il aime bien être là, et s'il est là, il aime bien dire « moi je suis là pour te protéger ». Or, pour vous protéger, il faut absolument qu'il puisse vous faire peur. Voilà, c'est le truc. Toutefois, bon, bah, cela ne doit pas être le cas. Vous ne devez absolument pas céder à cette tendance qu'on peut avoir en regardant les journaux, en lisant tous les magazines, en regardant les reportages à la télévision, ce genre de choses. Vous ne devez absolument pas tomber dans la psychose ambiante. C'est pas vivre dans le pays des bisounours, mais c'est à un moment donné se dire « oui, ça existe, mais moi, ma réalité, elle est différente ». Voilà. Il est important de réaliser que nous sommes responsables des pensées et des croyances que nous détenons et que nous pouvons choisir de les modifier à tout moment. Attention, j'ai dit responsable et pas coupable, hein. Nous sommes responsables, c'est-à-dire qu'on a le choix de les garder ou de les modifier.
Mais on n'est pas coupable dans la mesure où, bien des fois, on ne les a pas choisis. C'est des phénomènes inconscients. Donc il ne s'agit pas de se juger et de se faire du mal en se disant oh, mais qu'est-ce que j'ai été bête de croire ça, etc. Non, vous n'avez pas été bête. À un moment donné, c'était quelque chose qui était valable, maintenant ça ne l'est plus, bon bah voilà, c'est la vie qui continue. Donc ce n'est pas toujours facile, certes, car la peur est tenace, mais ça peut être fait donc avec insistance de l'amour, et surtout si des progrès et une meilleure qualité de vie pour tous est vraiment notre objectif. Donc il faut vraiment, avec amour et avec bienveillance vis-à-vis de vous-même et bien sûr envers les autres, et bien vous allez pouvoir modifier tout cela. Alors, comment faire la différence entre des croyances qui sont fondées sur l'amour et d'autres qui sont fondées sur la peur? Eh bien, ce sont nos sentiments qui sont notre GPS, notre guidage interne, qui vont nous faire savoir si quelque chose est vraiment utile pour nous ou pas. Donc, il y a une petite phrase qui est sympa, c'est les sentiments sont le langage de l'âme. C'est vraiment ça. C'est votre âme, c'est votre moi intérieur qui vous parle. Et c'est important de les écouter. Et les sentiments naissent de vos émotions, positives ou négatives. Dans le processus, c'est d'abord une émotion qui va générer, lorsqu'elle est maintenue un certain temps, qui va générer un sentiment. Et ce sentiment va générer une pensée. Et après, si cette pensée est maintenue, ça génère une croissance. C'est ça le process. Peu importe ce que les autres disent, vos sentiments et vos émotions sont les vôtres. Vous n'avez pas à vous justifier. C'est votre vie, c'est vous, c'est à vous, comment on s'appelle, ça vous appartient. Si vous n'êtes pas d'accord avec les uns et les autres, ok, faut les écouter, mais il faut pas jouer la girouette non plus. Vous faites ce qui est le mieux pour vous, c'est important. Lors de l'examen d'une pensée, d'une idée ou d'une croyance, notez comment vous vous sentez. C'est tout simplement comme ça que vous allez savoir si c'est quelque chose de positif ou de négatif pour vous. Si vous vous sentez bien, bien et puissant, c'est que c'est quelque chose de positif. Si vous vous sentez mal et complètement limité et que ça vous serre là, etc., là, c'est que c'est quelque chose qui est pas bon pour vous du tout, du tout. Il faut vite la remplacer par quelque chose d'autre. Il y a des différences donc entre les sentiments d'amour et ceux de la peur. Et tant que vous pratiquez la conscience émotionnelle, qui est de arriver à ne pas. La conscience émotionnelle, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est être en conscience de ses émotions, c'est-à-dire ne pas laisser l'émotion arriver comme ça, sans y penser. C'est au moment où vous avez quelque chose qui se passe, c'est vous arrêter, vous dire. Tiens, je me sens comment? Je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens stressée, pas stressée. Et c'est ça la conscience émotionnelle. C'est s'arrêter sur son émotion et pivoter si jamais elle n'est pas bien, vous ne vous sentez pas bien, essayer d'aller sur quelque chose de plus positif. Puis si vous êtes sur quelque chose de positif, ben vous félicitez et continuez. Voilà. Donc, en pratiquant la conscience émotionnelle, vous pouvez consciemment vous libérer des croyances limitantes et choisir les autres automatiquement. Voilà. Donc votre état émotionnel vous sert de point d'attraction magnétique. Ne l'oubliez jamais. Vous attirez les circonstances, les personnes et les situations qui correspondent à vos sentiments prédominants. C'est simplement, vous les attirez à vous simplement parce que voilà, c'est comme un aimant et votre attention va être attirée par ces choses-là puisque vous êtes connecté là-dessus. C'est aussi ce phénomène-là. Donc vous avez la liberté de choisir ses croyances. La chose la plus importante donc à retenir, c'est que vous êtes toujours libre de choisir vos propres pensées et vos propres croyances. Vous avez chacun vos propres interprétations subjectives de la réalité et aucune d'elles n'est bonne ou mauvaise dans l'absolu. C'est votre façon de voir parce que ben voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas ni bien ni mal, c'est votre perception. Lorsque vous croyez être victime des circonstances, peu importe l'origine, vous resterez dans une position de victime. Donc c'est important aussi d'essayer de sortir de cette position de victime le plus possible et le plus vite possible. Et si vous vous sentez dans cette position de victime, il va falloir analyser pourquoi vous vous sentez comme ça. Alors, la doctrine des petits mois, ça c'est quelque chose, enfin, moi personnellement, j'en avais pas entendu parler de cette manière-là, et je trouve cette approche assez sympa. Alors, vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Alors, ce que j'aimerais, dans un premier temps, je vais vous faire bosser un petit peu, vous allez m'énumérer quelques émotions négatives. Toutes celles qui vous viennent à l'esprit, vous les mettez dans le chat. Allez-y.
Moi, je me repose pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme émotion négative? La colère, oui. La peur, tout à fait, Nadia. L'agacement, la crainte. Le chagrin, tout à fait. Victime, l'ennui, la culpabilité, la frustration. Ça coupe tout le temps. Ah mince, Jenny. La tristesse. L'énervement. Oui, ça. La rancune, l'envahissement, l'anxiété. Oui, l'anxiété. Bouder. Bouder, c'est plus une attitude. Bouder, c'est parce qu'on est contrarié, en général. La panique, oui, c'est la peur. La nostalgie, oui, ça peut être... c'est plus s'il y a du regret, oui, tout à fait. La peur de l'inconnu, la rancœur, la solitude. Sentir seul, d'accord. Effectivement. Alors, je vais... La peur de manquer, la soumission. Bon, ça va, vous êtes inspiré. Il y a aussi le manque de confiance en soi, il y a la timidité, il y a la méfiance, il y a l'impatience, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a le manque d'indulgence avec les autres, il y a l'excès d'indulgence avec soi-même, il ne faut pas être trop permissif non plus, hein. Il y a l'intolérance, il y a la susceptibilité, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a les rancunes. Et puis il y a ce que vous avez cité, donc l'agacement, l'énervement, il y a l'orgueil, la vanité, la fausse humilité, l'hypocrisie, la colère, l'insatisfaction, le mécontentement, le découragement, la dépression, le désespoir, l'apitoiement sur soi, le manque de courage, le sentiment d'incapacité, le sentiment d'infériorité, le sentiment de supériorité, l'arrogance, etc., etc., etc. Parfois, ne pas avoir besoin de vivre. Besoin de vivre. Qu'est-ce que vous voulez dire, Hamid, par là ? Qu'est-ce que vous entendez par besoin? Ah oui, le dégoût du vivre. C'est limite avec un état dépressif, ça quand même. Hein. Faut aller creuser un petit peu derrière ce qui s'y cache. Hein. Et en tout cas, on parlait, quand ça vient trop souvent, faut pas rester, faut pas s'isoler dans ces cas-là. Hein. Alors, là, ce que je vais vous demander, c'est donc de prendre un crayon, un papier, et de noter, d'essayer de repérer les émotions principales. Les émotions négatives, hein, principales qui agissent à vous, en vous. En général, il y en a une ou deux qui sont prédominantes. C'est vraiment le premier pas d'exercice, donc ça va être de les reconnaître, de reconnaître laquelle vous habite le plus fréquemment, ainsi que celle qui agissent en vous de façon régulière. Généralement, on a un nœud, j'irais, de 4-5 sur lequel on tourne un peu en boucle, hein, dessus. À partir du moment où vous allez identifier et repérer ces émotions négatives qui sont prédominantes ou qui agissent chez vous de façon régulière, vous allez en choisir une et vous allez commencer à lui résister de la manière la plus absolue, c'est-à-dire qu'il va falloir absolument éviter de vous justifier et tout, enfin on va voir ça tout à l'heure, mais il va falloir vraiment dire, si je suis par exemple triste, ben je vais, c'est pas quand vous êtes triste qu'il va falloir lutter contre, mais ça va être plutôt au moment où vous êtes bien qu'il va falloir essayer de maintenir cet état de bien-être pour ne plus tomber dans la tristesse. C'est de cette manière-là qu'il va falloir résister. Alors, parfois l'émotion négative principale est trop forte et donc il est impossible de commencer à la combattre. Donc, dans ce cas, bah, vous allez choisir une autre qui est plus secondaire et qui est moins sensible, j'ai envie de dire, et vous allez commencer à travailler sur elle. Donc, au niveau des émotions, vous ne pouvez avoir d'influence que sur sa manifestation extérieure. Quand l'émotion va exister en vous, bah, ça va être trop tard pour agir. Hein. Donc, vous pouvez lutter uniquement contre la tendance à avoir cette émotion. Vous, c'est le stress. Alors, Jenny, le stress, c'est lié à la peur de quelque chose. Donc, il faudrait identifier la peur de quoi? La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de mal faire. Il y a une peur derrière. Cette peur-là, il faut la chercher parce qu'on peut être stressé pour plein de trucs. Les imprévus. Donc, c'est la peur de l'inconnu, alors.
Peur de la mort, peur de l'inconnu, voilà, ouais. Donc, par exemple, dans cet exercice, on explique qu'il faut lutter uniquement contre la tendance à avoir cette émotion. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui vous énervez facilement ou qui êtes facilement contrarié. Ben, c'est quand vous êtes calme qu'il va falloir commencer à travailler sur cette émotion d'énervement et non pas lorsque l'énervement s'est emparé de vous, ça sera trop tard. Ou quand l'anxiété ou la colère ou l'agacement ou la peur sera là, ce sera trop tard. C'est avant. Alors avant, vous avez peur de l'inconnu. Donc très bien, il y a des protocoles en EFT d'ailleurs qui sont super bons là-dessus. En fait, la démarche, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Oui, c'est une sorte de prévention. C'est une sorte de prévention, tout à fait. C'est quand on est dans le, quand on est, quand on bascule sur des formes d'énervement ou d'émotions négatives comme ça, c'est vraiment une bascule qu'on a. C'est qu'à un moment, on était dans un état d'équilibre, on était bien, et puis il y a quelque chose qui va nous pousser vers un état, une émotion négative. Eh bien, cette prévention, oui, effectivement, va être de dire, bah, d'analyser déjà qu'est-ce qui vous amène à cette émotion négative. Qu'est-ce qui vous rend dans cet état-là? Pourquoi vous êtes comme ça? Et d'aller toujours dans les pourquoi. Bah, pourquoi j'ai peur de l'inconnu? Bah, j'ai peur de l'inconnu pour telle raison. Oui, mais pourquoi? Et faites la série des pourquoi. Et quand vous aurez donné à chaque réponse, vous aurez répondu pourquoi. Et qu'à nouveau, vous redonnez une réponse et vous reposez la question pourquoi. Et encore une réponse et encore pourquoi. Une fois que vous ne saurez plus quoi répondre à pourquoi, je crois que vous aurez été au bout. Et là, vous pourrez commencer à travailler tranquillement. Mais c'est vrai que c'est une forme de prévention, tout à fait. Parce que l'émotion négative, quand elle est là, bien sûr qu'on va pouvoir travailler dessus pour faire en sorte qu'elle ne s'ancre pas en vous. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'éviter de la voir. C'est de passer, de la zapper, de frôler. Alors, c'est vrai qu'on a toujours plein, plein, plein de raisons de justifier. Le fait d'être en colère, d'être agacée, d'être énervée, d'être anxieuse, d'avoir peur, etc. On a plein de bonnes fausses raisons, ou de fausses bonnes raisons, c'est comme vous voulez. On peut les justifier toutes, la plupart de nos raisons, de nos émotions négatives. On a toujours une bonne raison. Simplement, il n'y a aucune émotion négative que l'on puisse réellement justifier. Ça correspond toujours à une peur, à un manque, à quelque chose derrière. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Pour ne plus avoir ces émotions-là. Ces émotions négatives sont comme des signaux d'alarme, c'est tout. Mais par exemple, on parle dans cet exercice, on parle de la jalousie, par exemple. Bah, vous êtes jaloux de telle ou telle personne. Il n'y a pas de raison d'être jaloux. La jalousie, elle est en vous. Et vous êtes jaloux pourquoi? Soit parce que quand c'est une relation sentimentale, vous avez peur de perdre l'autre. Quand c'est jaloux d'un ami ou de la situation de quelqu'un, c'est parce que vous êtes insatisfait de votre propre statut ou vous aimeriez avoir ça et vous ne l'avez pas et vous ne savez pas comment faire. Ou voilà. Mais c'est ce genre de choses. C'est qu'il y a un désir qui est refoulé. Il y a un désir ou un besoin important et vital qui est refoulé. Et c'est de ça qu'il faut prendre conscience. Oui, alors Yvan, tout à fait. Là, on parle de prévention, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit qu'une fois qu'elles se manifestaient, il ne faut pas lutter contre. Vous allez les accepter, bien entendu, mais vous n'allez pas les retenir. Il ne faut pas la garder comme ça, cette émotion. Il va falloir l'accueillir et la laisser partir. Ok, vous êtes en colère. Très bien, bon, bah maintenant, voilà, vous avez exprimé cette colère. Alors, soit vous faites de la méditation, de la pensée positive, du tapping EFT, vous allez vous balader, vous faites de la relaxation, de la sophro, ce que vous voulez. Mais cette émotion, il faut qu'elle s'en aille. Il ne faut pas l'entretenir. Or, ce qu'on a tendance à faire quand on a une émotion négative, c'est de tourner en boucle dessus. C'est je suis en colère. Et puis oui, et puis il m'a dit ça, il m'a fait ça, et puis j'en ai marre, et puis gna gna gna, et puis gna gna gna. Et on tournait, on tournait, on tournait. La colère, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et ça devient un truc énorme, alors qu'à la base, c'était un petit poids. Et c'est là. Donc, il faut accueillir, oui, mais il ne faut pas retenir. Ça, c'est important. Alors, la jalousie est un manque de confiance en soi. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un manque de confiance en soi. Et c'est. Alors, ça dépend à quel niveau est la jalousie. Si c'est la jalousie. Au niveau d'une relation sentimentale, c'est à coup sûr un manque de confiance en soi.
À partir du moment où vous avez la peur de perdre quelqu'un, c'est que vous estimez ne pas la mériter ou que cette personne, oui, ne pas que, la, que cette personne est trop bien pour vous quelque part. Donc la jalousie, c'est plus par rapport à ça. Donc ça va être un manque de confiance en vous. Par contre, si vous enviez, si vous êtes jaloux de la situation de quelqu'un d'autre, c'est là il faut aller chercher qu'est-ce qui, quel est le besoin en vous qui est masqué. Et qui est là et qui vous dit « Oh, mais moi j'ai envie d'avoir ça, pourquoi tu ne me le donnes pas à moi aussi? Pourquoi tu ne me donnes pas les moyens de me satisfaire ?» C'est ça qu'il faut aller creuser. Tout à fait. On s'y accroche de... Une jalousie entre femmes. On s'y accroche de façon inconsciente. C'est vraiment... on est là, on est dans ce mal-être et puis, puis on l'entretient. Et puis, mais c'est inconscient, c'est un truc de dingue d'ailleurs, parce qu'on aurait plutôt une tendance à dire que on dit que l'être humain a une recherche naturelle vers le plaisir, et pourtant, dès qu'on a une émotion négative, mais qu'est-ce qu'on peut s'accrocher à ça, hein, purée, et on l'a, et on est là, et on, puis on y va, on l'explore sous tous les angles, hein, c'est bizarre. Donc effectivement, il ne faut surtout pas s'y attacher, il faut... je sais pas, si ça peut vous aider, visualisez-la comme un papillon noir et puis ouvrez votre main et faites-la partir. Ou prenez un caillou, allez sur le bord d'une rivière et lancez le caillou ou la feuille dans l'eau et laissez-la, voyez-la s'en aller loin de vous. Essayez de vous trouver des petits trucs comme ça qui vont faire que hop, vous allez vite pivoter vers quelque chose de mieux. Alors la jalousie entre frères, c'est complexe ça, la jalousie entre frères. C'est ouais, c'est un manque de confiance en vous. C'est il y a quelque chose que vous admirez chez votre frère ou votre sœur et que vous aimeriez avoir, mais c'est surtout, je pense, là vous avez, à mon avis, c'est plus un problème d'image de d'une mauvaise image de vous-même, une mauvaise estime de vous-même. C'est plus là-dessus qu'il faut aller regarder ce que vous admirez chez votre frère et essayer de retrouver. Allez chercher ce que vous admirez chez votre frère, allez chercher pourquoi vous admirez cette chose-là et pourquoi vous, vous pensez qu'elle vous fait défaut à vous. Je pense que c'est ça. Donc, il y a toujours des raisons d'être en colère ou d'avoir une émotion négative, mais pas de raison saine ni de raison juste. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, ne vous y accrochez pas. Alors bien évidemment, il n'est pas question de ne pas réagir ou de ne pas agir hein, face à des situations. On peut agir avec des actes. Voilà, je suis... comment dire ? On bouscule, hop, je vais repousser. Mais je ne fais que repousser la personne. Il n'y a pas de colère, voilà. Il y a l'acte et il y a l'émotion. Il ne faut pas associer les deux. C'est pas pareil que si je repousse la personne avec violence et colère. C'est deux choses différentes. Si je repousse parce qu'elle elle me bouscule et j'ai peur qu'elle me fasse mal, donc là c'est légitime. Si je repousse avec de la colère, genre mais pour qui elle se prend, là c'est plus du tout bien. C'est plus du tout, on n'est plus dans la bonne logique. Alors il est essentiel donc de comprendre qu'il ne s'agit pas de ne pas réagir et de tout encaisser là comme ça, béatement, le pays des bisounours en ne disant rien. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais simplement, on parle de vraiment d'émotions. Simplement de ça, de vos émotions. Et il faut juste prendre le temps, ce recul, d'apprendre à avoir ce recul. Et avec l'habitude, vous allez voir que ça se fait très rapidement. Vous sentez quand vous partez, quand vous montez, et hop, vous savez quand est-ce qu'il faut vous arrêter. Et arrêtez-vous. Et s'il faut sortir de la pièce, sortez de la pièce. Sortez, respirez, vous retombez en pression, et c'est bon, vous pouvez repartir. L'essentiel, c'est ça. Et si jamais vous sentez que votre émotion, elle est passée au-delà du contrôle, eh bien écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous l'avez remarqué, c'est bien. Eh bien, la prochaine fois, vous ferez mieux. C'est tout. Mais soyez tolérant avec vous-même. Ça, c'est important. Alors... Petite question-réponse. Donc, qu'en est-il si une émotion négative est généralement liée à une souffrance ? Ça, c'est une question que vous ne m'avez pas encore posée. Donc, la souffrance n'est pas une émotion négative. D'accord ? Mais par contre, les émotions négatives font souffrir. Il faut bien faire attention à ça. Quand je vois quelque chose de triste, je suis triste et il y a souffrance.
mais cela n'a rien à voir avec une émotion négative. Il faut faire attention avec la souffrance et comment on s'appelle c'est assez particulier parce qu'on associe la douleur à la souffrance, la tristesse à la souffrance. Il faut faire attention avec ça. Hein. Au mot souffrance, avant de l'utiliser, soyez prudent. Alors, quand vous pensez être dans une situation qui est sans issue, est-ce qu'il est juste que le désespoir puisse naître ? Donc, par exemple, là, c'est l'exemple d'un prisonnier qui a tout essayé pour sortir sans succès. Et si la situation est sans issue, est-il juste que le désespoir puisse naître en lui ? Eh bien, le désespoir en soi est une émotion négative qui n'a aucune raison d'être. Parce qu'il reste toujours une solution, c'est s'adapter à la situation. Aucune situation n'est désespérée. Elle n'est désespérée qu'à partir du moment où nous l'avons décidée. Vous avez une possibilité dans une situation, c'est vous adapter, quelle que soit la situation. Que ce soit une situation d'échec, de maladie, de déception, peu importe. À un moment donné, vous avez posé des actes, vous avez tout essayé, ça ne fonctionne pas. Ok, ben, ça ne sert à rien de vous rebeller, ça ne sert à rien de vous taper la tête contre les murs. Vous acceptez et vous vous adaptez. Ça ne marche pas dans cette direction-là, et ben ok, on va changer, on va aller ailleurs. Exactement. Exactement, Benji. De toute façon, le désespoir ne va rien améliorer à la situation. La colère non plus, les pleurs non plus, le chagrin non plus. Au contraire, ça va l'empirer. Donc, quoi qu'il arrive, rien ne justifie une émotion négative. Alors par contre, la peur, elle peut être justifiée uniquement quand c'est lié à une peur physique. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la personne qui vous bouscule, vous avez peur qu'elle vous bouscule ou qu'elle vous marche dessus, bon ben là, vous la repoussez comme ça. Voilà, c'est pas une émotion, c'est juste une peur. Par contre, l'angoisse et l'anxiété, c'est tous les tigres et les lions qu'on a dans la tête qu'on s'imagine qu'on va rencontrer au coin de la rue. C'est ça l'imagination. C'est ça l'angoisse et l'anxiété. C'est tous les trucs. Et oui, et puis si jamais il fait ci, et puis si jamais il fait ça, et puis si jamais il se passe ci, et si jamais il se passe ça. Ça va faire, ça va créer de l'anxiété et des angoisses à n'en plus finir. Ça, c'est une émotion négative. Amène crise de panique. Oui, tout à fait. Alors. Donc, dans un premier temps, il va falloir que vous repériez en vous les émotions négatives. Donc ça, c'est un travail vraiment concret qui prend du temps. Hein. Donc, faut le faire en plusieurs fois. Je sais pas, un jour, vous prenez un bloc, vous commencez à écrire et puis vous y remettez 2-3 jours après pour relister et puis vous verrez. Voilà, s'observer, prendre du recul et surtout avec indulgence. Hein. Ne vous condamnez pas parce que vous vous rendez compte que vous avez une tendance à être... ou défaitiste tout le temps, ou pessimiste, ou ce genre de choses. C'est comme ça, c'est bien, vous avez pris conscience, maintenant on va pouvoir travailler dessus. Donc ensuite, il vous faudra travailler à combattre l'émotion dominante, mais d'une part, seulement si vous sentez que vous pouvez le faire, que c'est pas trop chargé émotionnellement, et deuxièmement, quand la manifestation n'est pas là. C'est-à-dire, il va falloir le faire à titre préventif et pas à titre curatif. Une fois que cette émotion est là, ne luttez pas contre parce que vous allez la renforcer. Il faudra simplement l'accepter et en prendre conscience et pivoter sur autre chose. Donc nous sommes toujours responsables, ça on l'a dit, donc nous sommes toujours responsables de nos émotions et de nous-mêmes, de nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ce n'est pas donc les autres qui vont nous mettre en colère ou qui nous rendent jaloux, c'est que la colère ou la jalousie est en nous, et ça c'est lié à un besoin ou à un manque, ou à un manque en général, que ce soit un manque de confiance en soi, un manque d'amour, un manque d'estime, un manque de sécurité, voilà, c'est toujours lié à un manque. Donc comprenez bien que ça fonctionne comme ça. Alors, l'une des caractéristiques des émotions négatives est qu'elles renferment toujours un élément de violence. D'accord ? Elles sont toujours liées à une faiblesse, à une de nos faiblesses et à une forme d'attachement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc elles sont, c'est vraiment des éléments d'agression et de violence. Et bien souvent, elles peuvent amener à de la dépression, comme Amine le disait par rapport à la...
au dégoût parfois en disant ouais, ça sert à quoi de continuer de vivre, etc. Si vous entretenez ce genre de, comment ça s'appelle, de relations, d'émotions, forcément vous allez aboutir à une dépression. Donc ce sont de toute manière des signes de faiblesse, mais une fois de plus, accueillez-les avec bienveillance. Hein, vous n'êtes pas Robocop, moi non plus, on est comme tout le monde. Et on, si on est là ce soir tous réunis, c'est justement pour apprendre, c'est qu'on a envie d'aller mieux, c'est on a envie de faire les choses mieux, on a envie de rayonner quelque chose de plus positif autour de nous. Et rien que pour ça, bah, je dis bravo à nous tous. Alors, comment travailler sur nos émotions négatives et par conséquent sur nos croyances? Donc on a dit, la première chose, eh bien, on va observer les émotions négatives en nous. Alors ça veut dire qu'il va y avoir un moi à l'intérieur de... Donc vous êtes là. Il va y avoir le moi, par exemple, qui va être jaloux. Puis vous allez avoir le moi, qui est toujours à l'intérieur de vous, notre petit bonhomme, qui va observer bah, le moi qui est jaloux. Qui va observer ce qui se passe. Voilà. Déjà, vous commencez à comprendre quand je parlais des petits moi, la théorie des petits moi, vous avez déjà deux moi. Donc celui qui ressent, et celui qui observe. Voilà. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, il y en a trois. Il y a trois moi. Trois petits moi. Donc, il y a, par exemple, pour une personne qui a décidé d'arrêter de fumer ou qui a envie de... qui a décidé de faire un régime et de maigrir. Donc, on va prendre, on va dire que c'est Pierre. Il se disait, bon, j'aime le tabac, mais je vais arrêter de fumer. Ça, c'est le premier petit moi. Ensuite, il y a le petit moi de celui qui dit « Oh bah ouais, mais bon, moi j'aime bien une cigarette de temps en temps. Ah, et puis il y a le copain là qui est en train de fumer, je m'en grillerais bien une avec lui. Hein. Oh, et puis elle est une toute petite, quoi, c'est pas grave. Hein. » Voilà, il y a le deuxième qui est là. Donc il y a celui qui veut arrêter, il y a celui qui veut continuer. Et puis ben, il y a le troisième moi, ça va être celui qui va observer tout ça, qui va observer ce cirque. Voilà, et vous comprenez un petit peu plus les tiraillements que vous avez entre celui, le petit moi qui veut, l'autre qui veut pas, et puis le troisième ben, qui observe, et c'est celui-là que vous devez créer, c'est cet observateur en vous. En fait, ça fait un petit peu penser à la publicité, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je ne sais plus si c'était pour un fromage ou je ne sais pas quoi. Vous aviez le petit ange et puis le petit diablotin. Il y avait l'ange qui était là, qui disait des trucs avec la belle auréole et tout. Puis de l'autre côté, il y a le diablotin avec sa fourche là qui piquait dans le cou de la personne en disant « Non, 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 tu vas faire ça, tu vas faire ça. » L'autre là à côté, c'est pas bien. Puis il essayait de botter l'ange en touche pour le faire partir. Et c'est exactement ça qu'on a. On a toujours un petit moi qui veut quelque chose et un autre petit moi qui veut son contraire. D'accord. Et vous avez bah, le moi intermédiaire qui est celui qui observe et qui va permettre de prendre le recul par rapport à ces deux mois et à la limite à faire l'arbitre. Parce que vous comprenez bien que celui qui veut et celui qui veut pas, bah, ils s'entendent pas. Hein. Et puis le problème, c'est que comme ils s'entendent pas entre les deux, et ben c'est vous qui n'allez pas bien. C'est vous qui vous sentez pas bien, qui vous sentez tiraillé, qui vous sentez super inconfortable, qui avez envie de pleurer, rire, continuer, arrêter, qui un jour être là, ouais, ouais, j'ai super envie, mais vous avez l'impression d'avoir à la fois le pied sur l'accélérateur et le frein en même temps et vous comprenez absolument pas pourquoi. Vous êtes en pleine procrastination. Bah, ça, c'est tout simplement parce que là, du coup, il y a le petit moi qui veut pas, qui a pris le dessus sur le petit moi qui veut. Et ça, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un autre petit moi qui est intervenu, qui est le moi qui est fatigué. Voilà. Et qui a envie de se la couler douce. Eh ouais, on est plein de petits mois comme ça qui arrivent. Et vous allez voir, Amida, il n'y en a pas que trois. Je vous réserve une surprise. On va danser disco ce soir, vous allez comprendre. Parce que s'il y en avait que trois, ce serait tellement plus simple. Mais c'est qu'il n'y en a pas que trois. En fait, on est toujours tiraillé. On est toujours tiraillé. Vous avez le moi intellectuel, vous avez la raison qui va raisonner, etc., etc. Puis vous avez le moi émotionnel qui, lui, va aller complètement à l'opposé. Lui, il va complètement partir dans l'abstrait, dans l'artistique, dans le truc, nos limites, quoi. Puis vous avez le moi rationnel qui va vous dire « Non, mais ça va pas bien, il faut que tu... » Vous êtes constamment tiraillé entre tout ça. C'est ce qui se passe... Quand vous allez regarder plus précisément en vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout le temps des pensées, des tiraillements, des émotions et des humeurs. Et c'est là qu'il faut que votre moi observateur se mette en route. Voilà. Mais de temps en temps, bah vous avez
plusieurs petits mois qui vont se mettre, qui vont créer un club et qui vont s'unir pour agir dans la même direction. Et ça, je peux vous dire, ça fait du bien, ça fait des vacances parce que là, enfin, vous sentez dans une bonne énergie. Là, vous faites des trucs, vous abattez des montagnes, vous êtes péchu et vous faites tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ben là, c'est qu'il y a un club de petits mois qui sont ligués et qui sont là pour dire, allez, on va te filer un coup de main, on va t'aider à obtenir tel ou tel objectif. Alors, comme par exemple, là on parle du moi intellectuel qui décide de manger des céréales et des légumes pour améliorer sa santé. Et puis il y a le moi émotionnel qui comprend cela parce qu'il aime les animaux, il n'aime pas trop qu'on les tue pour les manger. Donc ensemble, ils vont former un troisième moi qui va être plus important. Donc, ben en fait, il n'y a pas trois moi, mais il y en a quatre. Quatre sortes de moi. Ce n'est pas quatre moi, mais c'est quatre sortes de moi. Il y a les petits moi divers, donc les moi qui aiment leur métier, il y a les petits moi qui veulent arrêter de fumer, il y a le petit moi qui veut faire un régime, le petit moi qui veut apprendre une langue étrangère, etc. Il y a le moi observateur, celui qui va observer tout ça. Il y a les moi qui sont groupés, réunis. Donc comme le moi intellectuel et le moi émotionnel qui vont s'unir ensemble pour décider de devenir végétarien, par exemple. Et puis, il y a le moi qui va observer tout ce cirque entre le moi observateur, les petits moi, ceux qui veulent pas, et le moi qui est une association, voilà, qui va regrouper tous les petits moi qui veulent aller dans la même direction. Vous voyez, on commence à être assez complexe. Ce sont donc des sortes de moi, hein. Attention. Ce sont pas des mois, c'est pas quatre mois en vous, c'est quatre sortes de mois. Et en fait, le but dans l'histoire, c'est de n'en former qu'un seul, une cinquième sorte de moi, qui va être un moi unifié. C'est-à-dire que d'arriver à réunir tous ces petits mois, tous ces petits bonhommes en vous, qui vont être là, qui disent et moi, je veux ça, et moi, je veux ça, et toi, tu veux, et puis vous êtes tiraillés dans tous les sens. Eh bien, l'idée et le travail qui va être, que vous allez devoir faire, et que vous allez faire en travaillant sur chacune de vos émotions négatives et sur chacun de vos petits moi, eh bien, c'est de créer un cinquième moi qui va être unifié et libre. Et pourquoi il va être libre? Parce qu'il va permettre aux autres d'exister, mais c'est lui qui va décider. C'est lui qui va décider d'activer le petit moi qui veut maigrir, ou il va activer, c'est lui qui va décider d'activer le petit moi qui a envie de se la couler douce parce qu'il est fatigué. Il va plus, vous n'allez plus être sujet à des tiraillements. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est ce moi-là, quand il est unifié, quand il est réalisé, eh bien c'est vraiment c'est la finalité, c'est vraiment l'accomplissement. Là, vous vous retrouvez dans une sérénité, vous êtes bien. C'est plus, en plus, plus vous êtes tiraillé, plus ça mange de l'énergie. Donc, à partir du moment où vous allez commencer à pouvoir unifier vos petits mois, ben, vous allez gagner énormément en pêche parce que vous allez dépenser davantage d'énergie pour être vers quelque chose de constructif et non plus dans le tiraillement. Alors, même si les petits mois, ils vont continuer à exister, excusez-moi, parce que les conditionnements, ben, ils existent toujours, hein, mais ça ne sera plus que des ficelles, comme je vous disais, sur lesquelles vous allez tirer. Ça va être, tiens, j'ai besoin de ce petit mois-là pour m'aider à aller là. Voilà. Est-ce que, pour le moment, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire avec les petits mois? Voilà, Hamid, je vous emmène en discothèque. Le support précédent. Alors, les petits mois. Vous avez les petits mois d'hiver, Isha. Tous les petits mois plus. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, c'est enregistré. Donc, on le mettra en rediffusion. Pendant le week-end ou en début de semaine prochaine, et vous aurez tout le loisir de regarder. Hein. Et je ferai un article sur Quant à la vie avec ça. Hein. Donc ne vous inquiétez pas.
Donc vous avez tous les petits mois d'hiver, c'est-à-dire celui qui aime son travail et celui qui ne l'aime pas, celui qui a envie de maigrir et celui qui n'a pas envie, celui qui a envie d'évoluer vers une vie plus sereine et celui qui se dit « Mais attends, pourquoi tu te prends la tête comme ça ? » C'est tellement plus simple de se la couler douce et d'attendre que les choses viennent comme ça. Donc ça, c'est une première sorte de petit mois. Vous avez le mois observateur. Donc celui qui va se mettre un peu en cul et puis il va regarder un peu tout ce qui se passe. Vous avez les mois groupés, c'est-à-dire par exemple le mois intellectuel qui va décider de manger des céréales et des légumes pour améliorer sa santé, et le mois émotionnel qui va valider ça parce que lui il n'aime pas qu'on tue les animaux pour se nourrir. Donc ces mois-là vont s'associer pour créer un mois qui va aller vers une transformation pour devenir végétarien par exemple. Par exemple, hein, c'est vraiment le. Donc ça, c'est un mois qui va être groupé, qui va être associatif, on va dire. Et puis vous avez un mois qui va observer tout ce cirque. Alors lui, c'est le super mois. Il va se mettre en recul et il va observer un petit peu ces quatre mois-là. Et le cinquième mois, qui est donc important, c'est le but pour vous de ce cinquième mois, c'est d'être unifié, c'est d'avoir tous ces petits mois-là deviennent unifiés. Soit travaille pour vous, en votre faveur à vous, que vous les connaissiez tous. Et pour cela, eh bien, vous allez faire un travail avec les petits mois. J'allais dire un petit travail avec les mois, mais non, c'est l'inverse. C'est un grand travail d'ailleurs, avec les petits mois, qui va être d'abord de les repérer. Ce que je vous ai dit, c'est de les lister, de savoir ce que vous avez envie, tous vos besoins, etc. Donc vous allez les lister. Vous allez les repérer, savoir qu'ils existent, puis après vous allez apprendre à les connaître. Et pour apprendre à les connaître, vous allez il faudrait vous imaginer, je sais pas, comme si, à vous de voir, moi j'aime bien les imaginer en forme de petits gnomes, de petits nains, qui sont là dans ma tête et puis qui chamaillent, ouais moi je veux ça, etc. Vous pouvez les imaginer en tant que, comme des petits angelots et des petits démons, comme vous voulez, comme des entités en tout cas, de vraies entités, avec lesquels vous allez pouvoir dialoguer, d'accord ? Et vous allez pouvoir leur poser des questions comme « Quelle est ta fonction ? Ben, pourquoi tu veux m'empêcher de maigrir ?» Ou « Pourquoi tu veux m'empêcher de faire ce travail ?» Ou « Pourquoi est-ce que tu veux m'empêcher d'apprendre une langue étrangère ?» Ou « Pourquoi est-ce que tu veux m'empêcher de faire telle et telle chose ?» D'accord ? Ou à l'inverse, « Pourquoi est-ce que tu veux me faire ça ?» Ou « Pourquoi tu me fais croire que la vie est dure ?» hein ? Et ça, les croyances, elles font partie de ces petits mois, hein. D'accord ? Donc, vous allez demander donc, quelle est ta fonction ? Quand es-tu né ? À quel moment tu es né ? Pourquoi tu es... Oui, à quel moment tu es né ? Quand est-ce que tu as décidé que la vie, elle était dure et que ça devait être comme ça tout le temps ? Voilà. À l'occasion de quel événement es-tu apparu ? Que fais-tu pour moi ? Est-ce que c'est pour me protéger ? Est-ce que c'est pour m'avertir ? Quel est ton rôle ? Et que serait ma vie si jamais tu changeais de fonction ? Posez-leur la question vraiment et allez-y. Et notez, mais sans. N'essayez pas de rationaliser les choses. Notez. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Le moi observateur, oui, il va forcément les identifier, les autres mois. Oui, 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 tout à fait. Il va vous servir à. Il n'y a guère que par ce moyen-là d'ailleurs. C'est de détacher un moi, donc un maître d'école quelque part, ou un chef d'orchestre. Qui va effectivement observer tous les petits mois, et puis voilà, je ne sais pas, vous l'imaginez, en train de prendre une baguette, voilà. Bon, toi le petit moi là, dis-moi, quelle est ta fonction ? Puis pourquoi tu es là ? Et quand est-ce que tu es né ? Et à quelle occasion ? Et qu'est-ce que tu fais pour moi ? Et si jamais je décidais de te donner une autre fonction, qu'est-ce que deviendrait ma vie sans toi ? Sans la fonction que tu occupes à l'heure actuelle, etc., etc. Faites-le avec humour, faites-le avec tendresse, faites-le avec beaucoup de douceur. Et vous allez voir, c'est vraiment... c'est assez génial. Et pour vous rappeler de ce mois, pensez que vous êtes une boule à facettes. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis cette image de boule à facettes avec tout ce que ça renvoie, etc. C'est pour ça, Amit, que je vous disais que je vous emmenais au disco ce soir. C'est que, voilà, on est une boule de plein de petits mois. Et tous ces petits mois, quand vous sentirez contrarié ou tiraillé, ou quand vous sentez que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, rappelez-vous, visualisez cette boule à facettes et dites-vous, tiens, il y a une facette de moi, là, un petit moi, qui est en train d'agir et qui est en train de prendre le dessus.
Alors voyons voir qu'est-ce qu'il veut. Et hop, allez lui poser la question. Quelle est ta fonction? Quand es-tu né? À quelle occasion es-tu arrivé? Etc. etc. Voilà. D'ailleurs, en EFT, dans pas mal de protocoles, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je dis toujours, même s'il y a une partie de moi qui ne veut pas que je fasse telle ou telle chose, en fait, c'est exactement à ça que je me réfère. C'est à ces petits mois-là. Et souvent, je dis, je conseille aux personnes de se mettre, comment dire, en... quand je connais bien les gens, parce que sinon on me prendrait pour une folle, mais je dis à la personne, dialoguez avec cette partie de vous qui ne veut pas faire cette chose-là. Asseyez-vous à une table, imaginez que vous asseyez face à ce petit moi-là qui ne veut pas que vous fassiez cette chose-là, et discutez avec elle. Et en général, cette partie de moi ne veut pas que vous fassiez une chose parce qu'elle veut vous protéger, elle a une fonction. Bah, proposez-lui une autre. Ou dites-lui que bah, c'est bien, ça a servi à une époque, mais c'est plus valable maintenant, et que maintenant, ce serait bien de trouver qu'au contraire, eh bien, elle vous aide, parce que maintenant, ce qui est important, c'est que vous deveniez ce que vous avez envie d'être, et que c'est ça qui est important et essentiel à vos yeux maintenant. Non, ils font partie d'une autre thérapie. Hein. Ils font vraiment partie de la psychologie qu'on appelle la quatrième voie. Et alors, vous en parlez plus en détail, je ne suis pas bien à l'aise dessus. Je l'ai extrait de ça parce que ça m'a vraiment énormément marqué. Dites-vous bien que l'EFT, je vais en parler tout à l'heure, c'est juste une technique de tapotement. Après, ce qu'on y met dedans, on la joint à des techniques de PNL ou de psychologie, comme je l'avais expliqué lors de la précédente... conférence, on y met après des techniques de psychologie, même d'hypnose, on peut utiliser de l'induction hypnotique avec de l'EFT, etc. Donc là, c'est vraiment, par contre, ces petits mois, c'est vraiment, ça fait partie de la psychologie. C'est quelque chose qui est indépendant de l'EFT, mais que moi, j'aime bien utiliser, puisque de toute façon, avec l'EFT, on est là pour déprogrammer, pour lisser, on va dire, le terrain, pour que ces tiraillements n'existent plus. Voilà. Alors, lorsque vous vous intéressez ainsi à un petit moi, vous allez l'introduire dans le champ de votre attention et par conséquent de votre acceptation, qui sont le début de l'amour, d'accord? Et l'amour, eh ben, il transforme tous les petits mois, comme il transforme tous les êtres humains et les animaux, d'accord? Ils deviennent tous beaucoup plus sympathiques avec vous, et vous allez vivre en bien meilleure harmonie avec eux. Donc en fait, c'est voilà, il faut simplement que vous apprivoisiez l'un et l'autre, et vice versa. Voilà, faut que vous fassiez connaissance, et puis que vous discutiez, et puis que vous les aimiez. Et à partir du moment où vous allez les aimer, eh bien, ils vont vous rendre tout cet amour, et en vous aidant, et en vous aidant à créer ce cinquième moi, ce cinquième sorte de moi, qui va être ce moi unifié, et qui va faire que tous ces petits mois, bah, ça va être tous, il n'y aura plus de petits démons, ça sera que des petits angelots qui vont venir vous aider et vous prêter main forte. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas un seul petit moi qui soit mauvais. Même ceux qui vous enquiquinent le plus, il n'y en a pas un seul qui soit mauvais. S'ils sont désagréables avec vous, c'est parce que vous les contrariez et que vous leur faites du mal, inconsciemment, mais c'est comme ça. Comment obtenir des réponses de vos petits mois, concrètement? Ben, concrètement, je vais avoir du mal à vous dire que concrètement, ils vont bien vous écrire un truc. Concrètement, ça va être votre... Je ne sais pas si, Lucie, vous entendez votre petite voix de temps en temps qui vous dit des trucs. Est-ce que de temps en temps, votre petite voix intérieure, votre intuition, elle vous dit des choses? Est-ce que vous l'entendez, cette petite voix-là? Lucie. Bon, ben voilà. Ben, faites confiance. Elle va vous, vos petits mois, ils vont vous répondre avec cette petite voix-là. Tout simplement. Voilà. Donc, il n'existe pas un seul petit moi qui soit mauvais. Hein, même si parfois il se manifeste de façon extrêmement désagréable, c'est parce que ben, vous leur avez fait du mal, en les contrariant, tout simplement. Donc, si vous apprenez à les connaître et si vous les traitez avec respect, même les pires en apparence vont montrer une autre facette d'eux-mêmes. Donc, ils vont devenir vos alliés, tout simplement. Eh bien oui, elle est contradictoire, la petite voix. Et vous savez pourquoi elle est contradictoire, la petite voix? Parce qu'en fait, c'est pas la petite voix, mais c'est la petite voix d'un petit moi. Donc vous avez plusieurs petites voix de plusieurs petits mois. Donc celui qui veut et celui qui veut pas. C'est là les tiraillements, Lucie. Et c'est pour ça qu'il faut les écouter, ces petites voix. Il faut les noter.
Parce que là, vous aurez la thèse et l'antithèse, le petit moi qui veut que vous fassiez quelque chose et l'autre petit moi qui n'a pas du tout envie et qui a envie plutôt que vous vous la couliez douce. Vous comprenez? C'est là où ça devient difficile, mais c'est réalisable. Prenez le temps, ça prend du temps, ça prend du temps, c'est sûr. Mais soyez patient, faites ça, la petite voix du... C'est pas vraiment du mental, parce que le mental, c'est plutôt le rationnel. Non, c'est la petite... Ouais, c'est la petite voix subjective que vous entendez parfois, je sais pas si vous arrive... Vous devez aller quelque part, puis il y a quelque chose en vous qui vous dit hein, « je le sens pas je... ». Ben, c'est cette petite voix-là qu'il faut écouter. Parce qu'effectivement, au moment où vous voulez aller à cet endroit-là, ben, soit vous tombez en panne, soit vous prenez un lapin, soit vous avez un accident, ou peu importe. Enfin, il vous arrive toujours un truc qui n'est pas franchement agréable. Et votre petite voix était en train de vous prévenir. Ben, c'est cette petite voix-là. Il faut tous les suivre. Vos petits mois, il faut tous. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il faut que votre petit moi qui est contradictoire, bah écoutez-le et posez-lui les questions que je vous ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire qui es-tu? Quel est ton rôle exactement? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Quel est l'événement qui t'a fait naître? Essayez de savoir pourquoi ce petit moi, il est en train de vous dire que c'est pas bien. Prenez simplement. C'est simplement parce qu'on est constamment en train de rejeter un petit moi et un autre qu'ils viennent et ils nous tiraillent. À partir du moment où on les met dans notre conscience et qu'on en prend, qu'on les respecte, qu'on les accueille et qu'on les écoute, là, ils vont devenir votre allié. Ça peut être apparenté à l'âme, ouais. Mais l'âme, j'ai envie de dire, il y a une connotation religieuse et comme... Moi, je préfère laisser à chacun le libre choix de son vocabulaire par rapport à ça. Alors, par exemple, le petit moi de l'orgueil, eh bien, il rappelle seulement qu'il existe quelque chose de très grand en vous. Et si vous étiez plus souvent en contact avec cette grandeur-là qui est en vous, eh bien, le petit moi de l'orgueil, eh bien, il n'aurait pas besoin de se manifester aussi souvent. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parfois difficile, mais le plus important et peut-être le moins évident, c'est de rentrer en contact avec ce qui, en vous, regarde et voit tous ces petits mois-là. Voilà. Dans ce témoin et dans cet observateur, et de l'amener à questionner tous ces petits mois. Oui. Ah oui. Et puis quand vous faites le travail sur les petits mois, dites pas « toi, je vais te transformer ». Parce que imaginez quelqu'un vienne vous voir en disant « dis donc, toi, c'est pas bien du tout ce que tu fais, hein, je vais te transformer ». Et pas aimer, vous êtes sur le mauvais... comme un hologramme, oui, tout à fait. Voilà, comme un hologramme, ça peut être très bien, ouais. Si, moi j'aime bien les imaginer en petit gnome, mais si vous préférez visualiser quelqu'un en hologramme devant vous, oui, faites-le, au contraire. Faites ce qui va le mieux pour vous. Donc, la base pour commencer le travail, ce sera toujours l'acceptation de chaque petit moi comme il est, d'accord? Pour apprendre à le connaître, savoir quels sont ses besoins et quelle est son utilité. Tous ces petits mois ont des besoins, ont des utilités. Ils ne sont pas là juste pour vous embêter. Et une fois que vous avez, que vous les connaissez, si vous pouvez leur proposer une place, une autre place, parce que celle que le rôle qu'ils utilisent, qu'ils ont à l'heure actuelle vous contrarie, ne vous aide pas, eh bien, proposez-leur une autre place en vous, d'accord, avec un autre rôle, une autre fonction, et croyez-moi, il va vous aider. Il va vous apporter plein de solutions. Et vous n'aurez plus de petites voix contradictoires, mais plein de petites voix en disant « Tiens, et si tu faisais ça, ça pourrait t'aider. » Ou « Tiens, si tu veux aller là, ça pourrait t'aider. » Ou « Si tu appelais telle personne, ça va t'aider. » Ou « Va à tel endroit. » Vous aurez plein de petites voix comme ça. Mais c'est un processus qui peut être long. Hein. Ça peut parfois demander toute une vie, mais ça vaut le coup de le faire. Parce que petit peu par petit peu, au fur et à mesure, vous allez... je crois que le plus dur, c'est de démarrer. C'est de prendre conscience de ça et de prendre le pli. Une fois que vous allez prendre le pli, la première prise de conscience va être un petit peu plus longue, puis la deuxième va être plus rapide, la troisième encore plus, et puis vous allez voir très rapidement, vous allez enfin sentir de moins en moins de tiraillements, vous êtes de plus en plus dans la sérénité, et vous allez réussir à faire des trucs qu'avant vous n'auriez même pas imaginé pouvoir faire. Alors, les croyances, en conclusion, donc, les croyances sont elles-mêmes des petits mois, donc c'est à vous de les travailler avec respect et avec bienveillance. Et moi, je vais vous aider avec des protocoles EFT.
Donc, à vous montrer des pistes qui vont vous aider à faire de vos croyances limitantes une armée de petits moi qui vont venir vous aider. Plein de petits moi en hologramme qui vont venir vous aider et qui vont se mettre à votre service. Alors, je voulais vous demander, est-ce que tout le monde connaît le... Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'EFT? Du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'EFT? Lucie, d'accord. Vous avez vu ma première vidéo, super. Bon, alors je vais passer super rapidement, parce que sinon on va... je vais vous retenir 2 heures. C'est pas que j'ai pas envie de vous retenir, mais j'ai peur de qu'après vous soyez fatigués, vous ayez plus envie de rester avec moi. Alors... L'EFT, ça s'appelle Emotional Freedom Technique. Ça, c'est une technique de liberté émotionnelle. D'accord. C'est une technique qui rentre dans la catégorie psycho-énergétique. D'accord. Qui soulage les problèmes d'ordre psychologique en agissant sur l'aspect énergétique de l'être humain. À la manière de la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. C'est en fait une forme d'acupuncture. Mais sauf qu'on utilise nos doigts. Et on va faire de l'acupression, on va tapoter sur des points du corps pour résoudre un certain nombre de problèmes. C'est une technique donc de transformation guérison émotionnelle qui est aussi capable de soulager un grand nombre de symptômes physiques comme émotionnels, que ce soit des traumatismes, la phobie, chagrin, colère, culpabilité, douleur physique, maux de tête, etc. Y compris les croyances. Voilà. Donc elle a été créée par Gary Craig, qui est un ingénieur américain, qui s'est lui-même inspiré de la PNL et des techniques du docteur Roger Callahan, psychothérapeute, qui en 1980 a initié la pratique des tapotements sur des points du corps en rapport avec les méridiens dans lesquels circule l'énergie de notre corps. Voilà. Donc vous savez, enfin je ne sais pas si vous savez, mais en médecine chinoise, il est dit que l'énergie circule dans notre corps au travers de 12 méridiens principaux qui sont eux-mêmes reliés à des organes et à des émotions. Sur ces méridiens, vous avez des points qui correspondent chacun à une émotion ou à un organe particulier. Quand on tapote sur ces points, eh bien on va libérer de l'énergie qui va être bloquée, qui sera bloquée par différentes choses, et c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Alors je vais rentrer un peu plus en détail. Tout simplement parce que l'affirmation de base, donc, ça va être la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez peur, etc., c'est pas la peur ou la colère qui va créer un blocage énergétique, c'est parce que vous avez ce blocage énergétique que vous allez rentrer dans la colère, d'accord? Que vous allez avoir cette émotion négative. Le meilleur exemple, c'est quand vous avez peur. Vous êtes en voiture, par exemple, il y a quelqu'un qui pile devant vous, il y a un carambolage, ça pile devant vous. Première chose que vous allez faire, bien sûr, c'est de piler, mais avant même de piler, vous allez être pris... Le cœur qui bat, vous allez avoir chaud, vous allez vous mettre à trembler, etc. Et seulement après, vous aurez la conscience de la peur. Mais ça va se passer en dixième de seconde. Seulement, ce mécanisme qui va faire que vous avez tremblé, etc., va bloquer l'énergie à différents endroits. Et c'est ces blocages d'énergie qui vont faire que vous allez ressentir ce sentiment désagréable, cette émotion désagréable qui va être la peur. Alors, les bénéfices secondaires, c'est ce qu'on vient de parler, c'est le travail sur les petits moi. C'est ni plus ni moins que ça. Il y a toujours donc une partie de nous, donc un petit moi, qui va être contre ce qu'on a envie de faire. À partir du moment où on n'a pas travaillé sur l'unification de cela. Alors, par contre, il y a quelque chose d'important à voir et qu'on traite en EFT, c'est l'inversion psychologique. Alors, votre système énergétique est comme un ensemble de circuits électriques subtils. Au sein de ce système, il peut y avoir une interférence électrique qui peut bloquer l'effet de l'EFT. D'accord ? Ce blocage pourrait prendre la forme d'une inversion de polarité au sein de votre système énergétique. Si on admet que, par exemple, le pôle positif est en haut et que le pôle négatif est en bas, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais à titre d'exemple, eh bien, quand on est en inversion psychologique, eh bien, ces pôles s'inversent. Et du coup, les tapotements qu'on fait ne sont plus efficaces. C'est comme si, par exemple, quand vous prenez une lampe torche, vous mettez les piles à l'envers dans cette lampe,
eh bien, la lampe va plus s'allumer, va plus s'éclairer. Eh bien, quand il y a ce type de blocage, il faut l'éliminer. Et ce blocage, eh bien, il existe dans 40% des cas. Et il explique souvent pourquoi des personnes ont du mal à perdre du poids, ou ont du mal à s'arrêter de fumer, ou à s'arrêter de boire, ou à s'arrêter de jouer, ou à s'arrêter à arrêter une addiction quelconque. Ça explique aussi pourquoi certaines personnes ont des maladies chroniques ou réagissent peu ou faiblement au traitement conventionnel. C'est 40% des personnes qui sont atteintes de ça. Donc, on le traite avec une formule toute simple. On tapote sur le point karaté ici en répétant une affirmation qui est « même si j'ai ce problème, même si j'ai pas confiance en moi, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement ». Et on va faire ça 3 fois de suite. Voilà. Oui, les points vont être les mêmes. On va en parler tout à l'heure, Chabot. Je vais vous le dire tout de suite. Alors, peu importe que vous y croyez ou pas, au niveau de l'inversion psychologie, dites-la, c'est tout, ça marchera quand même. Essayez de toujours faire vos protocoles à voix haute, d'accord? Et essayez de le dire avec l'émotion et de façon expressive, c'est toujours mieux. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, ça fonctionnera quand même, mais bon, c'est quand même mieux de le faire comme ça. Alors, les bénéfices partagés, l'avantage quand on va faire le tapping tout à l'heure, c'est que lorsque tout le monde va tapoter ensemble, si quelqu'un a mal à la tête ou a mal à l'estomac ou se sent pas bien ou est triste ou se sent oppressé ou a envie de pleurer ou est énervé, etc., même si on tapote sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'elle ressent en ce moment, eh bien vous allez soulager votre tristesse, votre mal-être, votre douleur à la tête, etc. Et ça, c'est important. C'est simplement parce que comme on tapote sur sa propre énergie, sur ses propres méridiens, eh bien, on va nettoyer nos propres blocages. On va travailler sur la problématique de la personne, mais on va travailler aussi sur nos propres blocages. Donc, si on a mal à la tête, c'est qu'on a certainement une énergie qui est bloquée quelque part. En tapotant sur, par exemple, l'envie de maigrir de la voisine, eh bien, on va en même temps soigner son mal de tête. Voilà. D'où le truc génial dans ma profession, c'est que en aidant les autres, eh bien, je m'aide moi-même. Vous en connaissez beaucoup des métiers comme ça, vous ? Alors, pour bien comprendre, il y a 3 étapes. La cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Donc, la première étape, vous avez un événement traumatisant. La deuxième étape, vous avez une perturbation énergétique dans votre corps. Ça fait comme un qui fait que bah, y a un blocage et du coup, l'énergie ne peut plus circuler normalement. Et la troisième étape, c'est cette perturbation qui va créer le souvenir traumatisant. Il n'y aura pas de troisième étape si vous n'avez pas eu les 2 premières en avant. Oui, Amide, parfois on a des points d'urgence. Par exemple, le point de la clavicule est un point d'urgence. Le point karaté, le point ici sont des points d'urgence. On peut ne tapoter que là-dessus et ça fonctionne. C'est vrai. Donc, on va faire des tapotements sur divers points d'acupuncture en répétant en conscience le problème à traiter. Donc, l'EFT va agir directement et en douceur sur les mémoires émotionnelles douloureuses et va les libérer. Le souvenir des événements va rester, mais la charge émotionnelle ne sera plus là. Elle sera neutre. Voilà. Oui, vous pouvez tapoter, je vais vous le montrer tout à l'heure. À droite, à gauche. Vous pouvez l'utiliser sur vous-même, sur des animaux, sur une personne à distance. Alors, les points à tapoter. Vous pouvez tapoter avec vos 2 mains en même temps, avec une main droite ou la main gauche, avec une fois la main droite, une fois la main gauche. Vous pouvez tapoter des 2 côtés ou d'un côté à la fois, comme vous voulez, comme ce qui... il faut faire en sorte que ce soit la façon la plus agréable pour vous. D'accord ? Il faut que ce soit confortable. Quand je dis tapoter, vous pouvez tapoter ou vous pouvez simplement frôler comme ça ou effleurer, d'accord ? Il ne faut pas que ce soit douloureux pour vous. Moi, il y a des fois, ici, ça me fait mal. Donc, je ne fais que toucher comme ça. J'effleure, d'accord ? Vous pouvez tapoter avec 2 doigts. Évitez la main complète parce que notamment au niveau des yeux, vous allez ressembler à un koala à la sortie. Ça risque de ne pas le faire. Voilà. Alors, les points. Vous avez... d'ailleurs, je vais retirer ça parce que j'aurai du mal à vous montrer un point. Si j'y ai pas pensé tout à l'heure. Hop, voilà.
Donc, excusez-moi. Donc, vous avez le point karaté. Donc, c'est le tranchant de la main. OK. C'est le point karaté. C'est celui dont se servent les karatékas pour casser les briques, casser les... comment ça s'appelle, des planches. Donc, c'est ce point-là. Là, vous pouvez tapoter avec deux doigts. Ou même, moi, je le fais avec tous les doigts en général. Voilà, comme ça. Faites-le comme ça, vous... ce qui est le plus confortable. Ensuite, vous avez le dessus de la tête. Donc, vous imaginez une couronne ici et vous allez tapoter avec tous vos doigts, comme ça, sur le dessus, tout doucement. Ensuite, vous avez le début du sourcil. Alors, c'est juste à la naissance du sourcil, là. Voilà, donc tapoter avec un doigt ou avec deux doigts, comme ça. Ensuite, vous avez le coin de l'œil. Alors, le coin de l'œil, ici, c'est quand vous touchez, vous avez la pommette qui est là, vous avez un creux juste au coin de l'œil. Donc, c'est ici et vous tapotez, donc tout doucement. Ce sont quand même des zones sensibles. Donc, si vous marquez ou autre, n'allez pas vous faire des bleus. Sous l'œil, pareil, sur votre pommette, quand vous regardez en face de vous, pour vous baser, vous avez l'iris, vous mettez sous l'iris. Et en fait, sur votre os, vous allez remarquer que sur votre os, il y a une bosse. Vous allez tapoter là. Sous le nez, donc là, juste ici, au-dessus de la lèvre supérieure. Sous le menton. Au niveau des clavicules, ici. Donc sur l'os de la clavicule, là. Sous le sein, alors, pour les femmes, ça va correspondre au bandeau de soutien-gorge. Donc, vous allez sous le bras, donc, le bandeau du soutien-gorge sur la partie inférieure, vous allez tapoter là. Pour les hommes, c'est une largeur de main, vous prenez, et vous allez tapoter sur la partie inférieure de la largeur de la main. Voilà. Sous le sein, juste en dessous du téton. Hop, et sous la poitrine. De cette manière-là. Donc pareil, doucement, soit en tapotant, soit en petit... Alors, soit vous pouvez, au niveau du bras, soit vous pouvez tapoter comme ça, soit vous pouvez tapoter en croisant. C'est comme vous voulez. C'est ce qui est le plus confortable pour vous. Ensuite, au niveau des mains, vous allez tapoter sur l'ongle avec un doigt. Deux doigts, enfin, ça dépend de la largeur de vos doigts. Voilà, sur le bord extérieur, là. Au niveau de l'index, donc pareil, le bord intérieur. Hop. Le majeur. L'annulaire, on ne va pas le faire parce qu'on va retrouver le méridien ici. Donc, on va passer directement au petit doigt. D'accord. Et ensuite, vous allez aller sur ce qu'on appelle le point de gamme. Alors, le point de gamme, vous allez aller, vous faites comme moi, là, ici, entre les métacarpiens. Et là, vous avez un creux. Et vous n'allez pas le tapoter parce qu'il s'appelle aussi le point sensible. Vous allez juste le frotter. Voilà. Comme ça, tout simplement. Ça va, vous avez bien tout repéré? Est-ce que vous avez des questions par rapport au point? Est-ce que tout est compris? De toute façon, je vais le faire avec vous. On va faire donc... on va faire deux protocoles, je pense. Deux protocoles courts, c'est-à-dire que... Alors, dans les protocoles, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire une ronde courte, c'est-à-dire qu'on fait que sur... au niveau du visage et du torse. Soit vous pouvez faire une ronde avec le visage, le torse et les mains. D'accord ? Des fois, quand on veut encore aller plus loin et creuser et ancrer davantage la chose, on va aller sur les mains. Où sont passés les chats ? Ils dorment. Je les ai endormis. Pour une fois, me portez pas la poisse. C'est vrai que pour une fois qu'ils courent pas dans tous les sens, non, ils sont en train de dormir à côté de moi. Allez. Alors, quel point pour les émotions? Pour ça, je vous invite à aller sur « Quant à la vie », où j'ai fait un article là-dessus, parce que franchement, de mémoire, je ne saurais pas vous le dire. Mais je vous mettrai le lien, si vous voulez, Lucie, ou sinon, vous allez sur « Quant à la vie », et j'ai fait la signification pour tout ce qui est sur le torse et aussi sur les mains, où j'ai mis les émotions qui sont traitées et les organes qui sont liés. Voilà. Allez. Alors, avant de commencer, on va tapoter en conscience. Il faut se concentrer. Évitez de fermer les yeux quand vous tapotez. Hein, pour
pas vous renfermer sur votre ressenti. Et il faut toujours mesurer l'intensité. Donc 0, je vais super bien, et 10, je suis super inconfortable, 5, je suis, c'est pas super bien, mais c'est pas super mal non plus, si ça allait mieux, ce serait pas plus mal, mais il faudrait pas que ça aille pire. Voilà, donc vous mesurez toujours l'intensité avant une ronde et après la ronde. Le but est de retomber à 0. Tant que vous n'êtes pas retombé à 0, vous recommencez avec l'inversion psychologique, sauf qu'au lieu de dire « même si j'ai ce problème », et bien vous dites, même si j'ai ce reste de problème, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement, et vous recontinuez, ce reste de problème, ce reste de problème, ce reste de problème, et ainsi de suite. Voilà. Bon là, c'est vrai que pour avoir plus de précision sur le EFT, je vous recommande, c'est de regarder la précédente conférence que j'ai faite qui s'appelle EFT mode d'emploi, si vous voulez en savoir plus, où là vraiment j'explique tout en détail. Mais si j'explique tout au niveau de l'EFT maintenant, je vais vous lâcher à minuit. Hein. Donc c'est pas que je m'ennuie, hein. Moi je veux bien, hein, mais c'est quand même, hein, pas abuser. S'il y en a qui travaillent demain, ça le fait pas super, quoi. Alors, on va vite passer là-dessus. Bon, alors, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un verre d'eau à côté de vous et de boire à la fin de chaque ronde. Si vous bâillez, si vous sentez un peu fatigué, si vous avez soif, etc., c'est parfait. C'est que ça fonctionne. C'est que les énergies circulent. Voilà. Alors, nous allons faire comme nous étions sur les croyances, nous allons faire un protocole sur « je doute de mes capacités ». Est-ce que vous êtes prêts? Alors, pour les personnes qui sont dans ce cas, qui ont un petit doute de leur intensité, de leur capacité, pardon, je commence à fatiguer moi aussi, mesurez l'intensité de ce ressenti. Est-ce que vous doutez, vous ne vous sentez vraiment pas à la hauteur, vraiment, vraiment pas? Ou est-ce que c'est moyen-moyen, ou est-ce que non, vous ne vous sentez pas concerné? Alors, pour ceux qui sont concernés par ce problème, mesurez l'intensité de ce problème. Donc 10, je me sens hyper mal, je doute de moi, mais alors comme c'est pas permis. Et pour les autres qui ne sont pas concernés par ce protocole-là, eh bien concentrez-vous sur, je ne sais pas si vous avez mal à la tête ou quelque part, vous ne vous sentez pas bien en ce moment, mesurez le ressenti de ce mal-être. De cette émotion ou de ce sur quoi vous voulez travailler pendant ce protocole de 0 à 10 et notez-le. Vous avez tous noté à combien vous êtes là? D'accord. Allez, on est parti. Alors, sur le point karaté, même si je doute de mes capacités, je fais du mieux que je peux. Vous pouvez changer de main ou rester sur la même main. Moi, j'ai l'habitude de changer. Même si je ne peux rien faire pour l'instant. Ah oui, excusez-moi. Répétez les phrases après moi, hein, d'accord? Ou en même temps que moi, puisque je les ai affichées. Hein. Même si je ne peux rien faire pour l'instant. Je choisis de laisser tomber les résistances intérieures et je m'accepte comme je suis, ici et maintenant. Même si je n'arrive pas à faire ce que je me suis promis de réaliser et que cela dure depuis des années, je choisis de laisser tomber les résistances intérieures. Je fais du mieux que je peux et je m'accepte comme je suis, ici et maintenant. Non, il faut les dire, si possible, à haute voix, ça fonctionne mieux. Alors, début des sourcils. J'arrête mes résistances. Coin de l'œil. Mes croyances limitantes. Sous l'œil. Et mes perceptions négatives. Sous le nez, car un moyen compatible avec ce que je suis, sur le menton, va venir à moi sur mon chemin en synchronicité.
sur la clavicule. Et là, ça sera très agréable pour moi. Sous le bras. Soit de rencontrer des personnes qui m'encourageront et me soutiendront. Soit de retrouver le moyen pour obtenir ou faire ce que je souhaite. Chouette, 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 chouette. Aujourd'hui, je choisis d'accepter tout ce qui peut m'aider à aller vers mon objectif. Je choisis d'être ouvert à tout ce qui peut me guider. Et je remercie l'univers pour cela. Voilà, vous respirez profondément, vous étirez un petit peu, vous buvez un verre d'eau si vous avez soif. Voilà, c'est une petite ronde rapide pour se mettre en jambes. Comment est-ce que vous vous sentez? Pas si vite. Vous inquiétez pas, Isha, on va en faire un autre. Un peu de vite pour Loulou, mais j'en fais sur Loulou, hein. Ma co-animatrice. Comment est-ce que vous êtes sentie pour les premières rondes? Oui, je vais, comme à chaque fois, je vais transformer ça en PDF et vous allez pouvoir les avoir sur la page des webconférences sur Génération Optimiste. D'accord? Picotement dans les mains, ça c'est un bon signe, c'est que ça circule. Oui, c'est magique l'EFT, c'est vrai que c'est magique. Alors, protocole, manque de confiance en soi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un manque de confiance en eux? Je suis sûre que oui. C'est malheureusement quelque chose qui n'est pas rare. Alors justement, mesurez l'intensité de votre ressenti. Ouais, j'ai l'impression tout le monde, ouais. Alors, est-ce que vous avez vraiment, vraiment, vraiment pas du tout confiance en vous, auquel cas vous êtes à 10? Est-ce que vous avez modérément confiance en vous, auquel cas vous êtes à 7, 6, 7? Vous avez plutôt confiance en vous. De temps en temps, il vous arrive de douter. Dans ce cas-là, vous êtes en dessous de 5 et vous êtes entre 0 et 5, quoi. 4. Allez, vous êtes prêts? On est reparti. Bah, les petits mois, on est en train de travailler dessus, justement. Allez. Même si je veux me ressentir à la hauteur, mais que je bloque, je commence à m'accepter tel que je suis pour le moment. Car si je pouvais faire mieux, ça serait déjà fait. Même si je n'ai pas encore trouvé le moyen de ne plus avoir peur de l'avenir. Tiens, ça me rappelle quelqu'un de tout à l'heure, ça. Et que je n'ai toujours pas retrouvé confiance en mon pouvoir personnel. Je fais de mon mieux. Et c'est pour cela que je m'aime et que je m'accepte complètement et profondément. Même si forcément, il doit y avoir des solutions pour me sortir de là. Et que j'y arrive pas. Je m'autorise à m'ôter de l'esprit que je n'ai aucun pouvoir sur ma vie et que je ne suis pas digne de confiance. Ça, c'est les petits mois, Picoulou, qui vient nous dire... J'ai pas de pouvoir sur ma vie. Je suis pas digne de confiance. Dessus de tête, je bloque. Je ne me sens plus du tout à la hauteur.
je n'arrive plus à être dans le flux de la vie, que ça soit avec mes amis, ma famille ou dans mon travail. Coin de l'œil. J'ai beau faire, plus ça va, plus j'ai peur de tout et de rien. Sous l'œil, au point d'avoir peur pour des choses qui avant ne m'inquiétaient même pas. Je me sens tellement dans l'insécurité. J'ai tellement peur de l'inconnu. Je bloque dans cette situation. Sur la clavicule. Je bloque dans ces peurs et je trouve cela navrant. Peur de finir seule sentimentalement. Peur de l'échec. Peur de la réussite aussi. Continue à tapoter. Ongle du pouce. Peur de perdre mon travail. Peur de la rupture. Ongle de l'index. Et pourtant, je sais que je peux me faire confiance. Ongle du majeur. Je sais qu'il ne me manque pas grand-chose pour me sentir en sécurité. Hop, on va à l'auriculaire, au petit doigt. Pour réveiller le pouvoir que j'ai en moi. Mon pouvoir. On va sur le point karaté. Si, si, j'ai bien un pouvoir en moi. Mon pouvoir, simplement, il est endormi. Point de gamme. Après tout, il y a plein de gens qui sont acteurs et auteurs de leur vie, qui ont confiance en eux et en leur avenir. Dessus de tête. Aujourd'hui, je choisis de croire en moi et en mon pouvoir personnel. Je choisis d'accepter que les choses changent et de me sentir en sécurité partout et à n'importe quel moment. Pourquoi est-ce si facile de raviver ce pouvoir en moi ? Pourquoi est-ce si simple de me sentir en sécurité maintenant ? Pourquoi est-ce que je me sens si bien aussi facilement ? Pourquoi ai-je aussi facilement confiance en moi et en mon avenir ? Et si finalement mon pouvoir personnel n'avait jamais été éteint ou absent ? Aujourd'hui, je choisis de me sentir en sécurité. Aujourd'hui, je choisis de redevenir l'auteur de ma vie. Pourquoi est-ce si simple finalement de sentir que je suis la créatrice ou le créateur de ma vie ? Respirez profondément. Étirez-vous, buvez de l'eau si vous en avez envie. Voilà. Dites-moi à combien vous en êtes au niveau du ressenti. Jenny et Sylvie notamment, Sylvie 85 est à 8 et 6. Dites-moi. Mieux aussi.
Et Jenny, vous seriez à combien, Jenny? Et Sylvie? Jenny, vous étiez à 8, Sylvie, vous étiez à 6. Vous seriez à combien maintenant? Vos épaules se sont redressées pendant l'exercice. Ben ça, c'est génial. Parce que généralement, la position de voûtée, c'est généralement la position de victime. Ouais, on subit, etc. Ah, je suis contente, Dave. C'est super. Et vous êtes à 7, 6, 4. C'est super, bravo. Bah, voyez, donc là, l'avantage, c'est que bon, quand donc cette conférence est enregistrée, là, je suis en train de l'enregistrer, donc on va le remettre en rediffusion gratuite, hein, et à volonté, autant de temps que vous voudrez. Donc vous pourrez la voir, et ce que je vous conseille, c'est de refaire les protocoles, soit avec moi au début, si pour ceux qui ne savent pas trop l'EFT, le faire en vous guidant sur ce que je fais, et puis pour les autres, eh bien, comme je mettrai le PDF avec toutes les phrases, eh bien, vous pourrez retapoter avec les phrases que je vous ai données, et puis improviser vos propres phrases aussi, faites-vous confiance, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'organise mercredi prochain à 21h donc un atelier EFT, qui est payant ce coup-ci, il est à 30 euros, où j'accepte maximum 10 personnes parce que simplement je vous explique plus en détail ce qu'est l'EFT et surtout comment construire un protocole. Parce que l'EFT a l'avantage de pouvoir se faire en autotraitement. Et je pense que ça c'est quand même important. C'est une technique que vous pouvez faire tout seul chez vous pour vous sentir mieux. Et comment ça s'appelle? Bah, ce que je vous propose donc mercredi prochain à 21h, c'est d'apprendre à faire des protocoles tout seul, à travailler tout seul chez vous. Et en plus, je vous prendrai un à un pour faire un protocole personnalisé. Et vous recevrez. Donc c'est attention, hein, c'est un atelier privé. Hein, ce qui se dit et se dit entre nous, il n'y aura pas de spectateurs autres que les 10 personnes qui seront acceptées. Et puis, eh bien, à l'issue de cet atelier, vous recevez donc le PDF, le MP4, c'est-à-dire la vidéo, et le MP3 pour le mettre dans vos oreilles, de façon à ce que vous puissiez refaire les protocoles à votre guise quand vous voulez. Voilà. Alors, j'étais déconnectée, vous avez fait tout le monde, ou juste le point grade. On a tout fait, Jalila, désolée. Est-ce que vous avez des questions? Sur tout ce que je vous ai raconté, je vous en ai dit des choses ce soir, hein. Est-ce que vous avez des questions, des choses? Pas de questions? Quand utilisez-vous cette technique par rapport à d'autres thérapies? Eh bien, en fait, Benji, ce que j'apprécie dans cette technique, c'est que je peux la faire toute seule, à la maison. Donc, voilà. Personnellement, je fais un peu un mélange. Bon, avec les personnes, je travaille en EFT et en tangraine. En tangraine, c'est un petit peu parti. Ça travaille aussi sur l'énergie, mais c'est au travers d'un petit marteau, donc c'est un petit peu différent. Le PDF, vous l'aurez la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais ce que j'apprécie dans l'EFT, c'est de pouvoir travailler en autotraitement. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup, parce que les personnes avec lesquelles. Donc je vais mes clientes avec lesquelles je vais travailler, elles vont pouvoir reproduire chez elles toutes seules et elles vont pouvoir travailler chez elles toutes seules et donc continuer à avancer. Et pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Maintenant, il n'y a pas un outil qui est mieux que l'autre. Tout dépend de votre perception des choses. Par contre, il y a une chose importante qu'il faut que vous mettiez bien dans la tête, c'est que l'EFT, c'est une technique qui est complémentaire à la médecine traditionnelle. Il s'agit en aucun cas ici de vous dire qu'on va se substituer à la médecine traditionnelle. Quand on utilise l'EFT, c'est toujours en complément à un traitement, à quelque chose qui a déjà été mis en place avec un médecin. Personnellement, moi je suis soignée pour une maladie chronique et l'EFT, je l'ai toujours utilisé en accord et en complément du traitement que j'ai et avec l'accord de mon neurologue et du centre antidouleur.
À côté de ça, l'EFT m'a permis de réduire de moitié les médicaments, et toujours avec l'accord du neurologue. Jamais, jamais, n'allez pas utiliser l'EFT en disant « c'est la baguette magique, avec ça je vais guérir de tout, etc. etc. » Non, 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 c'est important. Le tongren. Attends, je vais l'écrire. C'est une technique. Ça faudrait que je fasse une conférence carrément dessus. Allez sur mon site douleuremotion.com, il vous expliquera. C'est une technique où on travaille sur l'inconscient collectif quelque part. On arrive à faire du travail à distance sur une personne. Voilà, tam tom, exactement. Tom tam. Alors, il existe une base de données de tous les cours. Alors, ben justement, l'avantage avec l'EFT, c'est que vous, avec l'ensemble des points que je vous ai donnés, vous n'avez pas besoin de tapoter, d'avoir un protocole par émotion. Quand vous ressentez une émotion, vous tapotez, voilà. Par exemple, vous êtes en colère. Même si je suis en colère, eh bien, je m'accepte complètement et totalement, je me sens en colère. Ça m'énerve de me sentir en colère. Je ne sais pas pourquoi je suis en colère comme ça, que j'arrive pas à m'en débarrasser. Mon Dieu, pourquoi je suis en colère, etc. Et vous tapotez comme ça, Yvan. C'est ça qui est génial dans l'EFT, c'est que vous n'avez pas besoin de mémoriser des protocoles et d'avoir un bouquin de 600 pages avec tous les protocoles dessus. C'est vous mémorisez ces 9 points et c'est bon. Donner un atelier de tongren à distance, ouais. Éventuellement, ça pourrait se faire. Pour le moment, on est plus axé sur l'EFT puisque c'est quand même l'EFT qui est le plus facile à expliquer. Ouais, tout à fait, Yvan, c'est simple et souple, et ça permet de travailler seul, et en fait, quand vous sentez qu'il y a une émotion qui est un peu trop puissante, eh bien, dans ce cas-là, faites intervenir un praticien, d'accord ? Quelqu'un, un professionnel qui va venir vous aider à aller là où ça fait mal, mais qui va pouvoir vous récupérer aussi si jamais vous allez trop loin et si jamais l'émotion est trop forte. Voilà. Vous avez des questions ? Ben, écoutez, moi, je vous propose... Quelle émotion m'empêche d'écrire ? Vous empêche d'écrire quoi ? Vous empêche d'écrire un e-book, une thèse, quelque chose comme ça ? Peut-être la crainte de perdre, Françoise, la peur de l'échec, voire même la peur de la réussite. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous arriverait écrire votre vie, donc faire un livre ? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire ? Qu'est-ce que ça serait qui pourrait vous arriver de pire si vous arriviez à écrire ? Posez-vous cette question et travaillez là-dessus. Vous allez avoir toutes vos réponses, vont venir là-dessus. À mon avis, il y a certainement la peur de l'échec et peut-être aussi la peur de la réussite. Peut-être la peur d'être jugé, parce que comme c'est sur votre vie, peut-être ça. Combien de fois par jour, Chabot ? Autant de fois que vous le ressentez. Minimum une fois par jour. Mais à chaque fois que vous avez une émotion qui est désagréable et que vous vous sentez inconfortable, tapotez. Vous pouvez tapoter en voiture, enfin en voiture, tapotez sur vos mains. Hein. Parce que je vous vois mal lâcher le volant. Mais quand vous êtes bloqué au feu, tapotez sur vos mains, par exemple. Dans la salle d'attente, pareil, vous pouvez, au lieu de tapoter comme ça, bah, vous pincez vos doigts. Ça vous permet de tapoter aussi. Vous pouvez tapoter quand vous êtes aux toilettes. C'est des trucs bêtes, mais bon, pourquoi pas. Hein. Il y en a qui lisent, pourquoi pas tapoter. Tapotez-le autant de fois que vous en sentez le besoin. Yvan, votre côté rationnel est interpellé sur la base scientifique. Eh bien, justement, j'ai abordé le côté scientifique avec la conférence EFT mode d'emploi, la dernière que j'ai faite. Donc, allez sur la chaîne YouTube de Génération Optimiste, dans l'onglet Web Conférence. Et c'est une conférence que j'ai faite il y a un mois. Donc, ça devait être vers le 6 avril, quelque chose comme ça. Et vous verrez, là, j'aborde l'aspect technique et l'aspect, justement, rationnel. Voilà. Vous avez encore des questions ? Alors moi, je vous invite à me retrouver mercredi soir. Ça sera avec plaisir qu'on pourra discuter puis travailler sur votre problématique à vous en particulier. Hein.
Et puis voilà, et puis bon, c'est 30 euros, je suis bien consciente que c'est un petit peu dessous, mais bon, ça dure 90 minutes quand même, et on fait un vrai travail en profondeur, voilà. Mais la science rencontre déjà l'énergie, c'est le thème de mon blog Quant à la vie, c'est quand la science rencontre le développement personnel ou quand le développement personnel rencontre la science. Les scientifiques se rendent compte de plus en plus de choses et valident ce que le développement personnel dit et redit depuis plus de 30 ans. Donc, on est dans une belle époque en ce moment. On vit quelque chose de bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée si vous n'avez plus d'autres questions. Et puis, je vais vous donner rendez-vous, donc, bon, pour moi, donc, mercredi prochain, si vous le souhaitez, et ce sera avec plaisir. Par contre, pensez à réserver votre place, hein, donc, sur Génération Optimi, vous allez dans Webinaire Pro, et vous aurez donc la possibilité de réserver. Et je ferai aussi un onglet sur Facebook. Et puis, est-ce qu'on peut faire de l'EFT? La varicelle et de la fièvre. Oui, Jenny, vous pouvez travailler sur la fièvre. Ça fera pas, ça va pas soigner hein, votre fille, j'imagine, ou votre fils, votre enfant. Par contre, ça va. C'est Lucie qui un jour a assisté à ma conférence avec 42 fièvres et à la fin de la conférence était retombée à 38. Donc oui, tapoter sur la fièvre, cette fièvre qui m'énerve, cette fièvre qui m'énerve. La puce à 39,7, eh bien, si elle accepte, prenez un nounours. Voilà, vous allez prendre un nounours, vous allez lui expliquer, vous allez tapoter sur nounours par rapport à cette fièvre. Et vous allez tapoter sur les mêmes points que sur vous, mais par rapport à. Ça sera pour elle, donc son prénom. Et puis, vous allez faire le point karaté. Je m'appelle machin, même si j'ai cette fièvre, que je me sens toute bizarre, je m'aime et je m'accepte. Et vous allez demander à votre fille d'aller tapoter sur les points du nounours. Voilà. En disant, bah, cette fièvre, ça me contrarie, tous ces boutons qui me grattent, etc., etc. Et voilà. Merci à vous, en tout cas, j'étais ravie. Vous étiez vraiment nombreux, ça m'a énormément touchée. Et elle ne peut pas le faire, hein. Eh bien faites-le sur vous alors, Ginny. Mettez-vous. Comment s'appelle votre fille? Merci, Roxy. Elle ne parle pas. Elle est toute. Bon. Faites-le sur vous alors. Merci, Picoulou. Une belle soirée à vous. Ginny, vous le faites sur vous en disant. Bon, même si je suis et le prénom de votre fille, et que j'ai cette fièvre et tous ces boutons qui me grattent, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Vous faites ça 3 fois. Et ensuite, vous allez là, cette fièvre qui me gratte, ces boutons, enfin, tout ce qui vous passe et tout ce qui la gêne, peut-être qu'elle a la nausée, qu'elle a mal à la tête, etc. Vous dites tout ça. Et vous finissez le protocole. Et après, vous refaites un protocole pour vous. Voilà, tout simplement. Hein? Après, vous refaites un protocole. Même si je suis moi et que je suis contrariée parce que ma fille est malade, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement, etc. Donc, un protocole pour votre fille et un protocole pour vous. Voilà, Génie. Ça, c'est mon ordonnance à moi. Merci, Hamid. Je dis au revoir à tous vos différents moi, hein, et à votre facette, comment ça s'appelle, disco, avec toutes les multifacettes de vous. Et je vous remercie vraiment. Et tous mes différents moi vous saluent bien bas et vous souhaitent une excellente soirée, enfin nuit même, hein. 22h20, ah, 23h! Wow, les petits loups, je vous ai gardé longtemps ce soir! Merci beaucoup à vous et bonne soirée! Au revoir! À bientôt!